Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui ça va être plutôt tranquille à la maison, ça va être vraiment tranquille. On va quand même aller se faire une petite promenade en forêt, on va en Maynès. Ça va être sa première fois, voilà, sa première fois en forêt avec nous. On va commencer tout doucement à l'habituer à nos petits rituels qu'on avait avant qu'elle arrive. Voilà, comme ça elle aussi elle va être impliquée dans ces petites routines là. Et du coup on va voir, le temps il est pas dingue, mais bon on va tenter, franchement on verra bien. Au pire il y a l'habillage pluie et puis nous on aura nos capuches, donc ça sera pas bien méchant. Je voulais aussi vous donner un super bon plan par rapport au box HelloFresh. Vous savez, je suis une grande fan d'HelloFresh, ça m'a beaucoup dépanné. Alors je vous en parle pas à chaque fois quand je les reçois, mais quand j'ai des codes promo, forcément là je vous en parle parce que ça peut vous intéresser également. Faut savoir qu'avec HelloFresh, le repas revient à moins de 3 euros par personne. Sachant qu'en plus, vous recevez des produits qui sont frais, livrés par ChronoFresh, donc il n'y a pas du tout de rupture de la chaîne du froid, donc ça c'est vraiment un point important. Un autre point important, c'est qu'on... Enfin, déjà d'une, vous choisissez vos recettes sur le site HelloFresh et ce sont des recettes qui sont saines. On est tout le temps en train de se dire qu'est-ce qu'on va manger, en train de chercher partout à droite à gauche. Là, sur leur site, vous avez plein de menus, enfin de menus de repas, voilà. Et vous pouvez vous faire votre menu pour la semaine, comme ça, en cochant les recettes qui vous donnent envie. Vous pouvez choisir donc soit poisson, légumes comme moi j'ai choisi, vous pouvez prendre viande, vous pouvez prendre... Enfin, il y a plein de choses, il y a vraiment plein de choix, donc il ne faut pas être, se traîner en se disant « Ouais, mais moi je mange pas de viande, donc du coup ils vont me donner des choses avec de la viande. » Non, vous pouvez vraiment... Enfin, vous remplissez un questionnaire qui est bien personnalisé en fonction de ce que vous aimez. Donc moi, je vais vous montrer là ce que j'ai reçu, la box est juste là, c'est pour ça que je regarde par là. Je vais vous montrer ce que j'ai choisi sur leur site pour cette semaine, parce que du coup j'avais besoin cette semaine de commander. Ça aussi c'est hyper important à savoir, c'est que vous pouvez arrêter quand vous voulez. Vous pouvez vous dire tiens, cette semaine franchement j'ai pas du tout d'idée, je sais pas quoi faire à manger, je vais aller faire un tour sur HelloFresh, je vais faire ma petite commande, et puis ensuite quand vous en avez marre, quand vous voulez quand vous ne voulez plus voilà choisir de recettes sur leur site, vous pouvez en un clic arrêter, stopper, enfin mettre en pause et vous reprenez quand vous voulez. Voilà, il n'y a aucun engagement. Ça c'est pareil, c'est super important. Ce que je fais, c'est que je vous mets le lien du site HelloFresh ainsi qu'un code promo pour bénéficier de la box encore moins chère. Voilà, si vous voulez simplement tester et payer vraiment à tout petit prix cette box pour la découvrir, vous aurez un code promo. Donc je vous invite à cliquer sur le lien qui est juste en bas dans la barre d'infos. Comme ça, vous pourrez tester vous aussi les recettes à moins de 3 euros par personne. Ça vaut vraiment le coup. On va sortir les ingrédients. Donc pour ce midi, ce qui est bien aussi, c'est qu'on vous envoie des produits de qualité. Vous voyez par exemple, là, c'est des galettes qui sont françaises. Voilà, 100% de France. Ensuite, vos recettes, vous voyez, elles sont dans des petits sachets comme ça. Et un sachet égale une recette. Vous avez tout qui est bien compartimenté, donc vous pouvez pas vous tromper. Alors donc là, ma recette est là. Donc on va pouvoir sortir les ingrédients, donc tout est donné avec, sauf les basiques, hein, style l'huile d'olive par exemple, ce genre de choses. Mais sinon, tout est donné. Donc les champignons, en plus c'est une marque que moi-même j'achète, donc ça me va très bien de retrouver mes marques à moi. Là on a le mélange de jeunes pousses pour accompagner la galette, c'est parfait. Vous avez les mentales râpées, vous avez les poireaux, vous avez l'ail, vous avez tout quoi, hein. La crème fraîche épaisse, et c'est parti, on va y aller. At me, I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems, I thought we could fix them, but we got tired. Donc après 8 minutes de cuisson, ça donne ça, et là on va pouvoir commencer à garnir les galettes. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through. But I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. Et voilà donc
pour la recette de ce midi, donc galette avec champignons, poireaux, un œuf et de la salade. Peux-tu nous dire, Anthony, alors, est-ce que tu penses que c'est une Bretonne qui a préparé ça? Je pense. Oh. Ça hume bien, ça hume bien. Alors vas-y, dis-nous. Dis-nous si la Bretagne est en toi. Allez! Voilà. C'est pas facile avec les doigts en l'air. Alors, ça va être un carnage. Carnage, c'est pas grave. Allez, on y va. À la Bretonne. Vite, parce que j'ai d'autres galettes sur le feu là. Donc, on y va à la Bretonne. À la Bretonne, c'est comme ça? Alors? Ça va? Bon, je reprends depuis la voiture. Là, on va encore une fois en direction de Smith Toys, puisque j'y ai pas pensé hier, tout simplement. On va prendre un porte-bébé. On en a vu là-bas des pas trop mal, des prix corrects. Donc, parce que je vous ai dit tout à l'heure, on va faire une petite promenade en forêt. On a envie de tester le porte-bébé. Je vais quand même prendre la poussette au cas où, si au bout d'un moment, elle en a marre, ou si on en a marre de porter comme ça. C'est... Voilà. Donc du coup voilà, il nous faut le porte-bébé, et même de toute façon le porte-bébé on en aura besoin maintenant on en aura besoin pour tout le temps en fait, on en aura besoin pour vraiment plein de choses qu'on va pouvoir faire. Donc on va faire ça, et après on doit récupérer une commande au drive, parce que il manque des petites choses à la maison, donc j'ai fait une mini commande au drive, et voilà, voilà les deux petites choses importantes qu'on a à faire là. Et puis ensuite ce sera parti, on ira chercher les enfants à l'école et puis on ira faire une petite promenade, ça va faire du bien. Alors donc là on est au niveau des porte-bébés, donc il y a deux modèles, mais je vois pas trop la différence entre les deux. Du coup ce serait 4 en 1, léger et aéré. Ah, peut-être pas celui-là alors du coup. Convertible celui-là. Convertible. Ah oui, et pas celui-là. Si, c'est écrit convertible aussi après. Ah ouais, c'est marqué convertible. Mais celui-là, peut-être qu'il est plus léger. Franchement je sais pas, ils sont à 39, franchement pourquoi pas prendre ça. Ils ont l'air pas mal, je ne sais pas. Donc, tu veux prendre lequel? On va prendre celui-là. Celui-là? 3,6 jusqu'à 14 kilos. Ouais, les deux c'est la même chose. 0 mois et plus, bah c'est parti. On va prendre ça. Allez. Comme ça. En avant les balades. Alors attention. Essayage du porte-bébé. Alors. Normalement. Step one. Alors. Comment fait-on? On met comme ça. Moi, je me rappelle de ça, c'était une vraie galère. Ah, c'est une vraie galère. Faut être à deux en général pour pouvoir. Enfin, moi, j'y arrivais pas tout seul. C'était avant que je pouvais le faire. Ah oui, t'as... Non, je ne dirai rien. Ça va, c'est réglable. Ça va. Et après, t'es censé le mettre. Derrière, je peux pas le faire tout seul. Ouais, voilà. Derrière, c'est galère. Derrière, c'est ça qui est. Ouais. Sinon, t'as les écharpes de portage, mais ça pour dehors, je sais pas si tu peux quoi. Si, je pense que tu peux aussi, voilà. Mais pff, galère. Comparé à ce qu'on avait c'est, avant, ça fait papa kangourou un peu comme ça. Celui est mieux parce que t'as toute la sangle. Ouais. Inès, tu vois ce qui t'attend? Tu me regardes? Tu vois ce qui t'attend? Elle est pas rassurée là. Tu vas être là et après je te serre comme ça. Elle s'endort. Oui. Elle est fatiguée. Elle se dit oulala, je préfère dormir quand je vois ça. Il n'y a plus qu'à attacher derrière. Mais derrière, ça me paraît un peu. Bah ouais, surtout qu'il faut toujours avoir quelqu'un. Ou alors, faut que tu l'attaches derrière et que tu l'enfiles. Avant. Avant quoi. Bah, je vois que ça en fait. Attends. Je pense que c'est le moyen, c'est un axe, tu vois. Une astuce. Ah, mais attends, mais là, ça va être. Bah, c'est le seul moyen. Ouais, t'attaches déjà. Tu l'enfiles comme si t'enfiles un t-shirt, quoi. Mmh. Un t-shirt à lanière, quoi. Bah, je pense. Que c'est comme ça. Ouais, mais elle me paraît vachement haute là, l'enfant. Faut que tu puisses voir quelque chose quand tu marches quand même. Et après, comme ça. Ou alors tu re-règles. Il n'y a pas d'attache encore. Non. Non, il n'y a pas d'attache. Bon, bah allez, on va aller tester ça. C'est parti. Alors, premier essayage. Inès! Les petits essayages, bon, c'est bon. Voilà. Nous sommes prêts! Nous sommes prêts. Donc là, on va aller récupérer les enfants et on va aller faire notre promenade. On va danser, regarde. Bon, on vient de récupérer les enfants à l'école. Bon, le petit goûter des aventuriers. Ah, Arthur, je te surprends là. Hein. Petit jus de raisin. Et toi, ça va les muffins? Ça, c'était un muffin. C'était un muffin. Victor? Non,
Oh, j'arrive même pas à voir si je essaie de la filmer. Ça, tu le mets de l'autre côté. Oh, bah elle est bien là. Première vraie sortie en forêt. Oh, ça va te faire du bien. Ah oui, aussi, si, la vache de Mickaël est dans le lac. Elle arrive là, elle arrive. Non. Trees are in green, the ocean is gray, sky is a vague blue, come away. My room is a mess, it could use a hand. My favorite TV shows to capture in. I know I must get it right, must get back in the fight. This can't be a surprise, I think I'll let it slide. Donc, bah on attend les enfants, pause pipi comme d'hab, ça dure toujours 2 heures. Et puis après, on va continuer. C'était bien? La promenade était bien ou pas? Oui? T'es contente de rentrer aussi? Ouais? Hein, Inès? Oh, elle est contente de rentrer. Moumoune, elle a mis les bisounours en plus. Elle a mis les bisounours. Bon, on vient d'arriver à la maison. Les enfants sont KO. Moi aussi, franchement, je suis fatiguée. Inès, ça lui a fait du bien. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Donc, je vous retrouve demain pour un nouveau vlog. Demain je vlog encore. Donc je vous laisse et je vous dis à demain pour un nouveau vlog sur ma chaîne.